Joe Colombo était un homme qui aimait faire les choses à sa manière. Il était le seul mafieux à avoir osé protester contre le FBI. On n'entre pas en guerre contre le gouvernement américain. Personne n'a intérêt à faire ça. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Joe Colombo l'a fait. Son arme de prédilection, les manifestations. Il existe une conspiration dans ce pays contre tout Américain d'origine italienne. Je le dis et je continuerai à le dire tant qu'ils n'auront pas compris. Mais en s'engageant dans cette voie, il est passé du crime à la politique. De l'ombre à la lumière. Il a donc violé l'un des commandements de la mafia. Il a choisi de rompre le silence. Il était celui qui a préféré se montrer devant les objectifs plutôt que de rester dans l'ombre. Il se jette dans un tourbillon médiatique qui le rend célèbre et l'éloigne du mode de vie que tout mafieux se doit de suivre. La vieille garde était furieuse. C'était intolérable. Ils lui ont dit, si tu continues comme ça, tu vas en payer le prix. Au cœur de Manhattan, face à des milliers de témoins, Joe Colombo va rendre des comptes. Brooklyn est un quartier de New York séparé de Manhattan par l'East River. En 1962, la mafia y règne en maître. C'est le territoire de chasse de Joseph Colombo, un mafieux de 40 ans qui connaît ses rues comme sa poche. Il est capot, c'est-à-dire à la moitié de l'échelle hiérarchique du crime organisé new-yorkais. Sa famille est l'une des cinq qui dominent la mégalopole. Mais c'est en 1964 que sa carrière va prendre un tournant capital. Il est convoqué par son parrain pour une entrevue de grande importance. Joe Magliocco a une mission pour lui. Un assassinat particulièrement périlleux. Joe Colombo est déjà un expert en la matière. Il a déjà tué de ses mains pas moins de 11 personnes. L'effacement comptait parmi les prérogatives d'un capot. On ne devient pas capot sans avoir du sang sur les mains. Si on vous dit de tuer quelqu'un, vous devez le faire. La seule façon d'y échapper, c'est les pieds devant. On ne vous considérera jamais comme capot tant que vous n'avez pas tué. Sur ordre du parrain. Jusqu'à ce jour, Joe Colombo n'était qu'un capot comme les autres, sans grande perspective. Des comme lui, il y en avait beaucoup. Il n'avait jamais rien fait de particulièrement remarqué jusque-là. Mais le vent va tourner. La cible n'est autre que Carlo Gambino. Le plus grand parrain de New York a gravi tous les échelons pour arriver à ce titre. Gambino était considéré comme le parrain le plus puissant de la ville. Il était également le personnage le plus craint. Il a réussi à imposer sa famille malgré la concurrence de terribles clans. Il avait réussi à supplanter trois des cinq grandes familles new-yorkaises. C'est dire son efficacité. Il avait à sa disposition les meilleurs tueurs à gages. Tuer Carlo Gambino, c'était signer son arrêt de mort. Alors, plutôt que d'exécuter le contrat, Joe Colombo décide d'alerter sa cible. Il vient d'enfreindre l'une des lois les plus importantes de la mafia.
Tous les mafieux doivent se soumettre à ce qu'ils appellent les 10 commandements. L'un d'eux indique que votre famille passe toujours en premier. Vous jurez allégeance à votre famille et uniquement à elle. Rien ne doit passer avant elle. Jamais. Tout le reste ne peut être que secondaire. Columbo outrepasse clairement cette loi. Il va voir l'homme qu'il est censé tuer, Carlo Gambino. La manœuvre porte ses fruits. Le parrain lui est reconnaissant. Il ordonne que Joe Magliocco, celui qui a ordonné le contrat, se retire. Puis il nomme à sa place Joe Colombo pour le récompenser. Le nom de la famille est changé en son honneur. Les Profaci deviennent les Colombo en 1964. Pour progresser, il faut savoir tenter des coups audacieux. Celui-ci était vraiment, mais ça a fonctionné. Columbo entre dans l'histoire de la mafia. Il est le parrain le plus jeune de sa génération. Grâce à son nouveau statut, il commence à engranger de nets bénéfices. Il peut se contenter du fruit des activités criminelles de sa famille pour vivre. Quand vous êtes le parrain, vous dirigez toute la famille. Vous avez sous vos ordres plusieurs capis devant vous remettre régulièrement un pourcentage sur l'ensemble des activités qu'ils mènent sur le territoire qu'ils contrôlent. Joe Colombo prend sa part sur des opérations très fructueuses. L'argent coule à flot. Quel que soit le domaine pouvant rapporter de l'argent, la mafia n'était jamais loin. Ils savent comment se faire une fortune à partir de rien. Il y avait le jeu clandestin. Les parties étaient parfois truquées pour rapporter un peu plus. Le jeu clandestin se présentait souvent sous forme de tables de poker installées dans un véhicule pouvant être déplacé n'importe où dans New York. On y installait même des serveuses. D'ailleurs, c'est un procédé qui existe toujours. Mais le jeu n'est pas le seul domaine auquel Columbo et ses hommes s'intéressent. Le prêt est une autre activité fructueuse. Le prêt usuraire se fait à des taux d'intérêt faramineux. Il se rembourse par le VIG, une somme fixe versée chaque semaine. Beaucoup de gens avaient besoin d'emprunter de l'argent, mais les banques ne leur accordaient pas de prêt parce qu'elles n'avaient aucune garantie financière. La mafia, elle, le faisait. Les intérêts étaient élevés, autour de 25 ou 26%, et si vous manquiez un remboursement, le VIG était doublé. En cas de récidive d'incident de paiement, c'est le passage à tabac, ou pire. Les prêts usuraires opérés par la mafia pouvaient rapporter des centaines de milliers de dollars par semaine. C'était un moyen rapide et facile de se faire de l'argent. Joe Colombo donnait également dans le vol et la revente de marchandises volées. C'est le recel. Ajoutez à cela l'extorsion, le racket à des fins de protection et la corruption de syndicats. Les syndicats aux États-Unis contrôlent entièrement un domaine professionnel. Ils intéressent les mafieux qui y voient la possibilité d'avoir la main mise sur les dockers ou le ramassage des ordures. Voilà comment Joe Colombo devient rapidement très riche. Le seul problème, c'est que sa fortune commence à attirer l'attention des autorités.
Depuis quelques années, le FBI a commencé à se pencher sérieusement sur les affaires mafieuses. Auparavant, il faut bien admettre que la menace représentée par cette organisation était sous-estimée. Les enquêteurs ont la mafia new-yorkaise dans le collimateur. En septembre 1966, le FBI et le procureur du Queens porte un premier coup. Une impressionnante descente est réalisée au restaurant La Stella. La Stella était un restaurant situé sur Queens Boulevard dans le Queens. Les parrains venant du pays tout entier s'y retrouvaient pour faire le point sur leurs opérations. Nous avons appris par un informateur qu'une de ces réunions devait se tenir et nous avons investi les lieux. Le procureur ne cache pas sa satisfaction. Nous avons interpellé 13 des pires mafieux d'Amérique. Nous pensons que ces réunions ont un impact de premier ordre. À notre connaissance, celui-ci était d'une importance majeure. Il est rare qu'autant de parrains se réunissent ensemble au même endroit. C'est le début d'une nouvelle guerre contre la mafia qui se concentrera essentiellement sur New York. Joe Colombo, en tant que parrain, est la cible des autorités. En 1966, il est cité à comparaître devant un grand jury fédéral pour une enquête sur le racket. Le grand jury est un peu l'équivalent du juge d'instruction français. Tout le monde a peur de ce qui peut se passer devant le grand jury. Il a la possibilité de vous convoquer de force. Lors de l'audition, tout ce que vous dites peut être par la suite retenu contre vous. Colombo ne peut plus rester dans l'ombre. Il est traîné en pleine lumière. Face à la cour, il invoque le 5e amendement lui donnant le droit de refuser de répondre. Il prétend être un honnête homme d'affaires. L'une des règles de la mafia est de ne pas faire de soi une cible. On n'attire pas l'attention des autres. Les affaires de la mafia sont nos affaires, nos choses. La cosa nostra. La loi du silence, l'omerta, prime par-dessus tout. Et les anciens recommandent également de faire profil bas. Cette application stricte de l'omerta coûte à Joe Colombo une peine de 30 jours d'emprisonnement. Mais ce n'est que le début de la carrière du mafieux. Il comprend que les autorités se sont intéressées à lui en raison de son train de vie inexpliqué. Il pense alors à une solution qui couperait l'herbe sous le pied des enquêteurs. Il va devenir un travailleur ordinaire et ordonne à tous les membres de sa famille de se trouver eux aussi un vrai travail servant de vitrine légale. Le parrain montre l'exemple en étant embauché comme agent immobilier dans cette agence de Brooklyn. Officiellement, son salaire s'élève à 35 000 $ par an. Mais bien sûr, le mafieux n'utilise pas son bureau pour vendre des biens immobiliers. Il peut néanmoins expliquer son train de vie. Et quel train de vie ? Le racket à lui seul lui rapporte une véritable fortune. Le parrain se laisse vite griser par ce déluge de billets verts. Il sort très régulièrement pour faire la fête dans les hauts lieux de la nuit new-yorkaise.
Il se montre de plus en plus extravagant et exubérant. Il porte des bijoux et des costumes sur mesure et se pavane en ville au volant de voitures rutilantes. Joe Colombo aimait s'habiller comme les plus grands acteurs ou chanteurs de l'époque, comme Sinatra ou Dean Martin. Il était toujours tiré à quatre épingles. Et il ne s'habillait pas chez n'importe qui. Il portait des costumes de marque et des chemises en soie. Le tout sur mesure, bien sûr. Il soignait toujours son apparence. Tous les autres mafieux savent bien qu'il n'est pas recommandé de s'exhiber en public et d'attirer l'attention de la police. Carlo Gambino ne serait jamais allé se pavaner en boîte de nuit. Il était d'une discrétion exemplaire. Les autres clans de New York commencent à s'inquiéter. Colombo attise la curiosité du FBI et le fisc se demande si ses revenus déclarés sont en rapport avec son train de vie. Il semble bien supérieur aux 35 000 dollars par an que le mafieux déclare. Le FBI décide d'enquêter. En 1970, le fils du parrain, Joe Jr., est arrêté alors qu'il fait fondre des pièces d'argent pour en récupérer le précieux métal. Colombo est persuadé que c'est une manœuvre destinée à l'atteindre lui-même. Il décide d'agir. Il va employer une méthode radicale pour se débarrasser du FBI, la défense des droits civiques. Les mouvements activistes de défense communautaire sont légion à cette époque aux États-Unis. Celui pour les droits civils des Afro-Américains allait changer la face des États-Unis et inspirer bien des émules. Nous allons marcher ensemble, nous allons nous dresser ensemble. Nous allons chanter ensemble, nous allons rester ensemble, nous allons protester ensemble, hurler ensemble. Nous voulons la liberté maintenant! Joe Colombo leur emboîte le pas. Depuis son bureau de campagne, sur la 7e avenue, l'ancien tueur à gages se prépare à sortir de l'ombre et à s'exposer devant les objectifs et les micros. Nous pensons que les gens en ont assez. Les Américains d'origine italienne, particulièrement aux États-Unis, alors qu'ils sont 38 millions, perdent peu à peu et inexorablement leur identité. Il exploite la rancœur de la communauté italo-américaine de l'époque. Il s'est mis à protester contre de prétendues discriminations. Ce n'était pas tout à fait faux. Dans les années 60, il y avait très peu d'Italiens à Wall Street, dans les banques ou dans les cabinets d'avocats. Ils avaient une image de mafieux, alors que la très grande majorité d'entre eux n'avait rien à se reprocher. Colombo se dresse en défenseur des droits de cette minorité. Et il le fait d'une façon encore inédite jusque-là. Il a déclaré la guerre au FBI. Il a organisé des manifestations au pied de son siège à l'époque dans l'Upper East Side. Colombo tire le premier effet mouche. Cette manifestation ne passe pas inaperçue. Il s'est dit que s'il arrivait à faire croire que le FBI agissait par discrimination, il pourrait le ralentir. Jour après jour, une foule de plus en plus dense vocifère contre les agents entrant et sortant du bâtiment pour faire valoir les droits de la grande majorité d'Italo-Américains travaillant honnêtement. Pourquoi le FBI? Vous pensez qu'il persécute vraiment les Italiens? Il envoyait tous ses subalternes répondre aux questions des journalistes et tenir les piquets de grève.
C'est évident pour toute personne capable de lire les journaux. À chaque fois que l'on parle du FBI, ils sont en train de s'en prendre à d'honnêtes Italiens et de les accuser de faire partie de ce qu'ils appellent la mafia. Pour nous autres, Italiens, ce mot n'existe même pas. Il a été inventé par les autorités gouvernementales de ce pays et il ne doit pas nous être associé. Les médias s'intéressent de plus en plus au phénomène. Colombo en profite. Il y a dans ce pays une conspiration contre tous les Italo-Américains. Je le dis et je continuerai à le dire. Qui sont-ils? Sont-ils mieux que vous, moi ou n'importe qui dans cette foule? Ce face-à-face avec les autorités est une première dans l'histoire de la mafia. Colombo tranche avec le silence qu'il avait gardé devant le grand jury. Les mafieux ont de tout temps pris l'habitude d'évoquer la Cosa Nostra avec une extrême discrétion. Pourquoi déclarer la guerre à la police? Il avait suffisamment de problèmes. Pourquoi en faire une affaire personnelle? Les actions de Colombo sont loin de faire reculer les enquêteurs. Et ce n'est pas sans inquiéter les autres parrains de New York. Les membres du FBI sont dans un premier temps troublés par cette tactique. Les règles ont changé. Certains étaient furieux contre lui. Il y a eu à plusieurs occasions des accrochages qui auraient pu mal tourner lors des manifestations. Je vais aller un peu plus loin. De plus en plus de minorités ressentent ce que nous ressentons. Qu'elles se joignent à nous. Nous devons nous unir pour que le grand public se réveille de sa torpeur. Nous devons leur ouvrir les yeux et leur faire exiger que soit faite toute la lumière sur certaines choses. Si le FBI n'a rien à se reprocher, il ne verra aucun inconvénient à ce que l'on enquête sur ses méthodes. En 1970, Colombo fait gravir un échelon à son organisation. Il crée la Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains. Tout le monde voulait y adhérer. Absolument tout le monde. Y compris les hommes politiques, les animateurs de radio, les acteurs, les chanteurs. Les Italo-Américains ont alors réalisé avec fierté à quel point ils contribuaient à cette société. Cette ligue connaît immédiatement un succès phénoménal. 50 000 adhérents versent leur cotisation à la cause. C'est Joe Colombo qui a lancé la mode des drapeaux aux fenêtres pour montrer son attachement à ses origines. On pouvait voir le drapeau italien collé à l'arrière de toutes les voitures de Brooklyn, de la plus petite à la plus grosse. Tous les conducteurs s'en procuraient un. C'était un véritable phénomène. La Ligue de Colombo parvient à remporter de grandes victoires. La campagne s'étend bientôt aux échelons corporatistes les plus élevés. De grands noms de l'industrie, automobiles comme pharmaceutiques, sont pris pour cible et accusés de discrimination envers les Italo-Américains. Des dirigeants sont licenciés. La mafia parvient même à refaire l'organigramme de géants de la grande distribution. Même Hollywood subit la colère de la Ligue. Le tournage du Parrain commence dans les rues de New York. Mais il est retardé par de nombreuses grèves et blocages. La Ligue arrive à la rescousse, proposant aux producteurs d'arranger les choses si les termes « mafia » et « Cosa Nostra » sont retirés du script. Les dirigeants de la Ligue font alors du porte-à-porte pour rassurer la communauté sur le bien fondé du film. Finalement, le tournage peut reprendre et ne sera plus interrompu jusqu'à la fin. Joe Colombo est allé encore plus loin. Il réussit à faire interdire au procureur et au FBI de l'associer au terme « mafia » dans les procès-verbaux, faisant reconnaître sa nature préjudiciable. Toute la ville est à l'écoute du mafieux. Et la Ligue se montre d'une efficacité redoutable.
En 1970, Colombo est prêt pour le grand coup d'éclat de sa ligue. Une journée de ralliement de tous les Italo-Américains à Columbus Circle, au cœur de Manhattan. Sous le regard des caméras, 50 000 personnes sont attendues. Les rues du quartier de Little Italy, généralement bondées, sont désertes. Même les autres clans ont finalement accepté d'appuyer cette manifestation par solidarité. Les médias étaient partout. Les rues étaient bondées d'Italo-Américains, fiers de défiler pour leur cause. Tout le monde voulait être aux côtés de Joe Colombo pendant son discours sur la fierté et la solidarité. Le mafieux s'en prend encore une fois aux forces de l'ordre. Il a réussi sa conversion. De parrain, il est devenu activiste. À l'issue de son discours, il enchaîne les interviews, les plateaux de talk show et les articles dans les magazines. Il a donné une conférence de presse. Tous les grands journaux y étaient. Le Daily News, le Mirror, le Post. Tout le monde voulait faire un article sur lui. Il continue à assurer que la mafia est un mythe et à promettre de se faire le défenseur de toutes les minorités. Est-ce que la Ligue américaine des droits civils atteint ses objectifs? Oui, bien sûr. Lesquels? Elle vient en aide à tout le monde, pas seulement à moi. Elle vient en aide aux groupes ethniques. Elle vient en aide aux enfants, aux personnes âgées, à tous ceux qui ont besoin d'aide. Elle permet aux gens de ne pas se sentir orphelins. Tous ceux qui ont besoin de soutien n'ont qu'à le demander et nous leur apporterons. Jusque-là, la ligue de Joe Colombo conserve une certaine légitimité. Mais le vernis commence à disparaître. Colombo est toujours un mafieux. Cette organisation n'est peut-être qu'un autre moyen de se faire de l'argent. La ligue créée par Joe Colombo avait pour but de lutter contre les discriminations. Au fond, c'était loin d'être une mauvaise idée, mais il n'était pas le mieux placé pour le faire. Il ne fait aucun doute qu'il était le pire individu imaginable pour représenter la communauté italo-américaine. En fait, derrière ses bonnes intentions se cache un tout autre dessein. La Ligue brasse beaucoup d'argent. Des fonds qu'il n'a aucun mal à s'approprier. Joe Colombo a fondé la Ligue italo-américaine des droits civiques dans l'unique but de se faire de l'argent. Un point, c'est tout. C'était son seul objectif. Il forçait les commerçants de Brooklyn à mettre son autocollant bien en évidence sur leur vitrine, sans oublier le drapeau italien avec le chiffre 1 imprimé dessus. Et tous les bénéfices qu'il tirait de ses ventes atterrissaient tout droit dans ses poches. Un sénateur d'origine italienne a dit un jour « Ne vous laissez pas berner par Colombo ». Non seulement Joe Colombo enfreignait la loi de la discrétion, mais il commençait également à attiser la jalousie et la suspicion au sein même de sa propre famille. Son mentor, Carlo Gambino, lui lance un avertissement. Carlo lui a dit « Arrête, on ne veut pas de ça. Si jamais tu continues dans cette voie, tu devras en payer le prix. » Mais le mafieux ignore ses mises en garde. Il se croit intouchable. Il est au sommet de sa gloire médiatique et compte bien ne pas en redescendre. 1971 sera son année. Il était narcissique. Il a cru qu'il pouvait se prendre pour le big boss de son organisation qui n'était autre que la mafia. Hélas, le vent tourne.
le FBI contre-attaque. Agacé par les gesticulations de Colombo sous couvert de sa Ligue de défense de droits civiques, les fédéraux citent à comparaître quelques grands noms de la pègre locale. En décembre 1970, Joe Colombo est arrêté, ainsi qu'un de ses hommes, Rocco Miraglia. En fouillant sa voiture, les enquêteurs découvrent une mallette remplie de documents compromettants concernant les différents rackets en place. Pire, ils mettent la main sur les noms d'autres parrains. Colombo est immédiatement convoqué devant le grand jury fédéral. Cette fois, il va commettre un acte impardonnable. Plutôt que de se taire comme il l'avait fait la fois précédente, il adopte une autre tactique. Il va fournir des explications aussi longues et tortueuses que farfelues. Il explique que le livre de compte saisi, où figurent d'importants transferts d'argent, n'a rien de douteux. Les 30 000 dollars jouxtant un certain Carl, par exemple, représentent la somme donnée par Carlo Gambino, un parrain redouté. C'est une grave erreur. On n'implique jamais un parrain devant le grand jury, surtout quand c'est pour mentir. Les répercussions vont être immédiates. Peu de temps après, le FBI et la police de New York mènent un vaste coup de filet anti-mafia. Carlo Gambino, lui aussi, est pris pour cible. Il est arrêté. Il est clair que ce sont les déclarations de Colombo qui ont mis les enquêteurs sur sa piste. Et il compte bien le lui faire payer. Son comportement a commencé à inquiéter les autres parrains. Tous les mafieux de la ville enrageaient. Ils voulaient le silence, la discrétion, rester dans l'ombre. Joe les a mis en pleine lumière. Les jours de Colombo sont comptés. Malgré la menace pesant sur lui, il continue à se battre avec ses moyens habituels. Il fait la promotion de sa ligue à travers tout le pays et parvient à faire participer Frank Sinatra à une collecte de fonds au Madison Square Garden. Des hommes politiques se joignent à la cause, parmi lesquels le gouverneur Nelson Rockefeller. Il prévoit déjà l'organisation d'un second grand rassemblement annuel. Il pense ainsi confirmer son statut de défenseur des droits civiques et forcer les autorités à lâcher du lest. Mais ses ennemis sont désormais ses anciens alliés. Et un vieil adversaire de ses débuts attend tranquillement de pouvoir prendre sa revanche. Joe Gallo, dit le dingue, observe les événements depuis sa cellule. Joe Gallo était surnommé le dingue, pour une bonne raison. Il était complètement déjanté. Pour vous donner une idée de son style, il avait une boîte de nuit à Brooklyn. Il avait installé un puma dans le sous-sol pour intimider les victimes de son racket. Quand quelqu'un lui devait de l'argent et qu'il traînait à rembourser, il leur faisait faire connaissance. Il conduisait la personne en question en haut des escaliers. Tout en bas, on pouvait voir la silhouette du puma qui tournait en rond en rugissant. Ça devait faire froid dans le dos. En général, la personne se ravisait et remboursait ses dettes. Joe Colombo et Joe Gallo ont un contentieux. Avec ses deux frères, Larry et Albert, ce dernier a tenté il y a quelques années de renverser le clan Colombo. Dans les années 60, la boîte de nuit de President Street, tenue par les Gallo, a été le théâtre d'une insurrection sanglante. Colombo finit par trouver un compromis avec Larry et Albert, alors que Joe était jeté en prison.
Le dingue attend depuis de prendre sa revanche. Tout ça, c'était de la jalousie. Gallo voulait être le boss de la famille. Il voulait éliminer Colombo pour prendre sa place. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour mener son action à bien, Joe Gallo a besoin de main-d'œuvre. Il sait exactement où la trouver. Derrière les barreaux, il a noué des contacts avec des gangsters afro-américains de East Harlem. Une alliance comme celle-ci, la mafia n'avait jamais songé à en réaliser. Les deux clans sont farouchement opposés. Mais Joe Gallo était en avance sur son temps. Il sait très bien que l'union fait la force. En février 1971, le vieil ennemi de Colombo, Joe le Dingue, est libéré, après 9 ans de prison. Il déclare en public qu'il a fait une croix sur son passé criminel. Mais en réalité, il reprend bel et bien les affaires. Il est de retour. À ses yeux, aucun accord de paix ne tient. Il n'attend qu'une chose, pouvoir mettre en œuvre la vengeance qu'il prépare depuis si longtemps. Au mois de juin 1971, tout est prêt pour accueillir le second grand ralliement des Italo-Américains, sous l'égide de la Ligue de Joe Colombo, toujours à Columbus Circle. L'année précédente, cette manifestation avait attiré des centaines de milliers de personnes. Grâce à ce rassemblement, Colombo narguait le FBI, la police de New York et les forces de l'ordre en général. Nous nous maintenions à une certaine distance pour prendre des photos et observer qui se rendait sur place. Cette fois, l'ambiance n'est plus la même. Les mafieux ont donné ordre aux Italo-Américains de ne pas cesser le travail. Seules 40 000 personnes répondent à l'invitation. La fréquentation était en nette diminution. Le mot était passé qu'il valait mieux éviter de fermer son magasin ce jour-là. Un peu avant midi, Joe Colombo monte sur le podium pour prendre la parole. Il s'apprête à faire un discours attaquant le FBI. Un journaliste afro-américain muni d'une accréditation s'approche. Il se fraye un chemin au milieu de ses confrères, s'affairant autour de l'estrade. C'était le moment fatidique pour Colombo. Le tireur s'est approché, a sorti son arme, lui a tiré en pleine tête et l'a tué net. Puis d'autres coups de feu retentissent. L'homme qui venait d'abattre Colombo s'est effondré à terre. Il y avait un double contrat ce jour-là. Un à l'encontre de Joe Colombo et l'autre à l'encontre de son agresseur. Joe Colombo est immédiatement conduit à l'hôpital. Il est plongé dans le coma. Parmi les participants au rassemblement, c'est la panique. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Il était étendu à terre. J'ai juste vu un peu de sang sur sa joue droite. C'est hallucinant. On ne s'attend pas à voir une scène aussi violente dans une manifestation comme celle-ci. Il y a eu d'autres coups de feu. Je me trouvais à 10 mètres à peine de l'estrade, alors je me suis mis à courir. J'ai entendu d'autres tirs, alors j'ai pris mes jambes à mon cou. À ma connaissance, Joe est à l'hôpital Roosevelt, dans un état critique. Il aurait reçu 2 balles, une dans la poitrine et une dans la tête. Apparemment, son meurtrier est mort. Vous savez qui l'a tué ? Non, j'en sais rien du tout. Vous l'avez vu ? Non, j'ai rien vu. J'étais derrière le podium quand c'est arrivé. Quelle est votre réaction ? Ma réaction ?
On est tous un peu sous le choc, je pense. J'essaie de réaliser ce qui s'est passé en regroupant les informations. Le contrat sur Joe Colombo a été exécuté par Jerome Johnson, un Afro-Américain de Harlem et un agresseur des plus singuliers. Jusqu'à présent, il n'était qu'un petit délinquant avec un léger penchant pour les attentats à la pudeur. Il n'a apparemment jamais travaillé pour la mafia. Pour Albert Seidman, commandant de la police de New York, c'est un fait étrange. Hélas, nous n'avons réussi à remonter aucune piste probante. Monsieur Johnson demeure un mystère pour nous. Les enquêteurs savent qu'ils doivent trouver qui a commandité cet assassinat. Heureusement, la réponse ne se fait pas attendre. Ils parviennent à lier le meurtrier à Joe Gallo, dit le dingue. On entend dire par la rumeur que Joe Gallo aurait posé un contrat sur la tête de Joe Colombo. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Nous n'avons aucun moyen d'affirmer que c'est le cas actuellement. La vérité, c'est que l'ordre vient de bien plus haut que de Joe le dingue. Depuis plus de 50 ans, aucun mafieux n'a été exécuté sans l'approbation de la commission, l'Assemblée générale de la mafia. Chaque famille y a un siège. S'il faut éliminer un affranchi, ça doit se faire avec l'aval de la commission et via un vote. C'est ce qui permettait d'empêcher les tueries et les prises de pouvoir d'une famille sur l'autre. Aucun clan mafieux ne peut être menacé sans l'accord des membres de la commission. Grâce à cette instance, chacun d'entre eux a un pouvoir de décision égal à celui des autres. En quelque sorte, c'est un système démocratique. Vous devez avoir l'autorisation des autres parrains pour en éliminer un. C'est très simple. Personne ne peut s'en prendre à un parrain sans avoir l'autorisation de ses pairs. Sinon, la situation deviendrait instable. De ce fait, beaucoup pensent que c'est Carlo Gambino qui a commandité l'assassinat avec l'accord de la commission. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de larmes versées du côté des Gambino ou des Gallo quand Colombo a été touché. Comme souvent, quand la mafia est impliquée, l'affaire de la fusillade de Columbus Circle reste non résolue. Aucune preuve n'a pu désigner Gambino. Il semblerait que Johnson ait eu des relations avec le clan de Carlo Gambino. Mais rien ne prouve jusqu'à présent que le milieu du crime organisé soit impliqué dans cette affaire. Le seul à connaître la vérité est peut-être Joe le dingue. Un peu moins d'un an plus tard, il mange avec des amis dans un restaurant de poissons pour fêter son 47e anniversaire. Ils étaient assis à la table du fond. Ils étaient un groupe de six. Un homme est entré par la porte de derrière, a marché jusqu'à la table et a tiré trois coups de feu. Joe a été touché par deux fois et son garde du corps, Pete le Grec, une fois. Le FBI et les policiers estiment qu'il s'agit d'une vengeance de la part du clan de Joe Colombo. Il a été tué par des membres du clan Colombo. L'ordre aurait été donné par Joseph Iacavelli, alias Joe Iac, le consigliere et du clan. Leur porte-parole à la commission, en quelque sorte. Si l'élimination de Colombo doit ramener la stabilité au sein de la mafia, elle conduit en fait à la perte du clan Colombo. Privés de leur chef, assaillis de toutes parts, leur fortune s'amoindrit considérablement. Au fil des années, le clan se dissout de plus en plus
et les luttes intestines font rage. Les Colombo ne sont plus que l'ombre de leur gloire passée. Et récemment, en 2011, 125 membres du clan sont arrêtés. Une famille mafieuse s'est éteinte pour l'instant. Quant à Joe Colombo, il n'a jamais repris conscience depuis son agression. Il est resté dans un état végétatif pendant 8 ans avant de mourir. Les obsèques de l'un des plus grands criminels d'Amérique se déroulent aujourd'hui. Si vous regardez son casier, il n'a été arrêté que pour des délits mineurs à 18 ans. Toutes les autres accusations sont venues après qu'il ait commencé à militer pour les droits civiques. Voilà qui indique comment les médias avalent sans réfléchir ce que les forces de l'ordre leur jettent en pâture. Joe Colombo aura écrit une page de l'histoire de l'Amérique. Colombo meurt en parrain errant. Il était un tueur cherchant une autre voie. Mais en se dressant face à la mafia et au FBI simultanément, il était condamné d'avance. Ces manifestations devant le siège du FBI, c'était vraiment pas malin. On ne peut pas dire que ces gars-là avaient fait Harvard. Sa plus grande erreur aura peut-être été de se laisser séduire par la médiatisation au détriment de sa famille. Il s'en est pas mal sorti pendant quelques temps. Il a réussi à duper son monde. Il utilisait cette ligue comme écran, mais il s'est fait prendre à son propre jeu. La célébrité ne suffit pas à protéger un mafieux qui enfreint les principales règles de la Cosa Nostra. Joe Colombo s'est attiré des ennuis tout seul. S'il avait suivi les règles de la mafia et s'il était resté dans l'ombre, sans faire de vagues, il aurait pu continuer les affaires et engranger beaucoup d'argent en se croisant les doigts. Au lieu de ça, il a choisi d'être exubérant. Il a laissé son ego prendre le dessus et est apparu au grand jour. Ça a été une terrible erreur. Quant à cette Ligue de défense des droits civiques, elle a disparu du jour au lendemain.